Le coup de pression que je viens de lui mettre. Bonsoir patron, il y a Alan et Ethan qui vous réclament au restaurant. Je dis réclame? 40 points d'interrogation. Qui vous demande. Moi j'ai dit demande gentiment avec beaucoup de respect et sérénité, c'est ça que tu voulais dire. Il me répond, c'est vrai, les mots ont un sens, je me suis mal exprimé, expliqué. Il vous demande avec toute la bienveillance du monde pour être exact. Je ne sais pas où ça va aller, cette histoire, vraiment. Non, mais de même, cette génération, vraiment, je waouh! ne sais, je ne sais pas où ça va Elle ne aller parce que respecte personne! vous Mais savez ce que personne, vous. ça dépend de ce que vous avez! On a tout, madame! Nous avons, honnêtement, si je devais être honnête avec vous, madame, nous avons tout ce qui vous satisfera. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez, madame? Qu'est-ce que vous cherchez? Si vous Vous cherchez de cherchez quoi, le madame? nourrir des morphales! Il y en a cinq. Oh, ben, eh ben. Hop, les mongo, je vais prendre ça dans ma Avez-vous besoin poche d'aide pour et je que vous suis je le si vous voulez comme transporte? ça. Oui, s'il vous plaît. Non, J'ai c'est bon, l'ordre de l'aider. gracias, ces gens. D'accord, pas de soucis. Vous êtes garé où, Sinaïta? Derrière? Ok. Devant. Ah, Je devant? sais pas, Pardon, je pardon, sais pardon. pas si c'est le devant ou le Allez, derrière, viens. je sais pas, c'est la première fois que je viens, donc. Il est où le cucul, il est où la tête, c'est ça, mais C'est ça. les Je voyous sais pas alors à qu'on quel a 20 moment ans. je t'avais dit avant les enfants, mais là tu On a commences à 20 lâcher ans, des là. couilles. Je parle de voyous ici, là. Oh, je commence à quoi? À taper mon respect là. Et si tu tapes mon respect, je vais devoir répliquer avec des coups. Et arrêtez un peu vos conneries. Et voilà, ça y est, c'est bon. Oh, il sort la machette. Oh, il sort le pistolet. Ah ouais, ok, d'accord, ouais, ok, c'est bon, ok. Puta madre. Pas l'habitude de le voir habillé comme ça. Voilà, monsieur Ruben, ça va aller. Dis, et vous me questionne, on a un garage ici ou pas? Un garage pour mettre tes véhicules personnels? Si. Si, en el parking. N'inquiétez pas, vous. C'est rusto Vous voulez. de la pente, près des murs, des petits murets là. Tu veux que je te montre le garage? Ouais, il veut bien. Je sais pas si elle est encore là, là, mon mon retour. Ah, de la boca d'espagnol, attention toi. Hein. Allez, je te parle de la. Je te montre. Qu'est-ce que ça fait cher 600 000 quand même. Ben oui, mais c'est pas vraiment qui fait les prix, j'en peux rien. Oh! Tiens. Oh! Oh! C'est qui? C'est qui? Je sais pas. C'est ça, monsieur? Voilà. Non, ça va pas. Mais vous êtes qui? Mais vous travaillez ici? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, il va nous voler des maquis là. Reste là, reste là, reste là. Non, 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 attends, qui attends, t'a attends, volé attends. Les maquis? Rends-moi les maquis par contre, toi. Je suis en train de vous aider là. Monsieur, non, 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 vous êtes non, sur le non, travail non. en fait. Non, non, éloignez-vous d'ici. C'est où les maquis là? Ah, c'est un lieu de travail ici. Ah, oui, c'est un lieu de travail ici, oui. Je décoche les écoles de la merde ici en fait. Vous allez rendre des maquis au monsieur. Attends, 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 bouge pas. Lève tes bras vite fait. J'avais les maquis, parce que vraiment tu remets tout dans le camion, remets tout dans le camion. On va remettre dans le camion directement. Ah, mais c'était pas une livraison? Non, c'est pas non, une livraison, pas c'est un lieu de travail. C'est l'inverse, c'est l'inverse. Mais qu'est-ce que vous avez fait encore? Non, mais attends, non, mais t'as pas vu la scène de Je sais pas, mais menacez pas en tout cas. Il faut arrêter de menacer et d'insulter. Vous dites au pire de dégager. Si tu es agressif, là vous insultez, ouais, mais faut pas agresser. Oui, justement, je m'inquiète. Si surtout si si est mêlé à l'histoire, je m'inquiète, oui. T'inquiète, ça va aller tranquille. Si j'ai un procès sur le coup là à cause de vous, je vous jure, c'est vous qui payez. Hein. Ah, ah, merci pour cette information. Il veut voir le patron, Edward. Bah écoute, tu vas là. Moi, je viens pas, je m'en fous. Je pars. Désolé. Ah, bon, c'est nous qui a poussé cette annonce là? Quelle annonce? Okay. C'est qui le baltringue qui a dit oui, il va appeler la police? Ah non, c'est un mec du LTD apparemment. Et il fait quoi lui? J'en sais rien. Voilà. Non, c'était une vraie question. Je bien, sais pas. Bien, que passe encore? Mais il se passe rien, c'est le connard du LTD, j'ai appelé Beniz. Mais pourquoi il y a encore son truc là? Parce que j'ai appelé le Beniz pour qu'il l'enlève de là. Parce que. Et pourquoi il est là et pourquoi il est cassé? Quand il est revenu, quand il est revenu. Il a tabassé la tronche, je crois. Qui? Quand il est revenu, quand oui, il est bonsoir, revenu. Bonsoir, on... bonsoir, 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 monsieur, bonsoir, comment allez-vous? Moi avec Jean. Bonsoir, merci. Y aurait-il le responsable de. Et Dando, il est là, le monsieur qui voulait te voir? C'est vous? C'est. Bon, alors.
Je vais vous parler concrètement. Ah, le patron. Non, 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 je vais faire un spécialiste. Monsieur, j'ai une offre à vous proposer. Cheveux noirs là, en camisa negra. Monsieur, je sais que c'est vous le patron. Non, non, c'est le mexicain. Moi, je suis juste responsable serveur, allez, salaud. Il se fout de ma gueule là. Attendez. Il est dehors. La plaque de cette voiture, là, il faut prendre la plaque d'immatriculation et trouver CKLTD parce qu'il a essayé de rentrer dans le restaurant avec le camion. Et après, il fait des menaces que ce soir, il veut se faire rembourser, qu'il appelle la police, je sais pas quoi. Refuse tout offre, tu refuses tout. J'appelle les avocats, ils arrivent, ils sont en route. Il fait deux fois toute la semaine, il a dit. C'est un mensonge. Ils pourront faire ça pendant deux semaines, après ils seront en faillite parce qu'ils font pas d'argent. Ah, il m'a proposé 10K du recrutement, je réfléchis là. 10K du recrutement? Bah en fait, ouais. Tu peux le faire, mais dans une semaine tu reviens ici, ils ont fait banqueroute. Bah c'est pas grave, j'aurais pris 300 000 et puis voilà. C'est pas faux. Si. Edardo, oui, tiens bouffe mon doigt. Ah ok, d'accord. Oui. Donc nous souhaiterions en termes de dédommagement que cette personne soit augmentée à valeur de 100% plus que son salaire actuel. Bien sûr. Alors je suis le manager, okay, on verra ça c'est monsieur, bon. On verra ça. Très bien, je demanderai la fiche de paye en fin de semaine, d'accord. Un grand merci, et n'oubliez pas d'aller sur notre site umami.fr et de mettre un petit pouce en l'air et de commander comment ils vous ont servi. Voilà, alors je mettrai un 5 étoiles pour le petit mexicain. Ah mais non, mais c'est Eduardo, je n'ai rien dit, c'est un très bon site, c'est un très bon restaurant. Mais oui. Allez, ah passez bah, une agréable c'est... soirée, monsieur. Oui, je pense que Rusko mériterait même un bon gros pourboire. No, exactement. Oh là là, il a oublié de donner un pourboire. Je vais lui donner des cacahuètes au singe. Écoute, Rusko, je vais vous faire un petit virement. Oui. Pas pour faire peur, mais il y a deux singes qui attendent à l'entrée. Ils sont hyper chers. Oui, il n'y a pas de souci. Dites-leur de venir, je me prépare. Pas du tout. Non, comme ça. Ah ouais. On parlait du pourboire pour. Ouais, on parlait du pourboire. Je le paierai en nature, c'est pas grave. Ah voilà. Tu vois. Ah bah là, il dort chez moi tous les soirs. Allez-y, messieurs, faites ce arrête que vous de dire faire. Ça à tout le monde. Ils vont vraiment, on va vraiment dans le corps, c'est ça. Non, mais je crois que ça, c'est un effet de la grossesse. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, on a un expert. Jean, décris-nous un peu la situation de la madame, s'il te plaît. Alors, on peut voir ici qu'elle a presque 6 mois de convalescence. Comment on peut voir que le fœtus a bien évolué. Et maintenant, c'est maintenant un embryon. Alors, on peut voir que voilà, la fusion entre l'ovule et le spermatozoïde a été vraiment très concrète. Nous prévoyons la sortie de ce bébé pour un. Avant j'étais à 6, donc ce sera nickel. Hein. Voilà. Mais comment c'est. Non, mais ouais, franchement, j'espère. Que... Putain, les transitions. Il n'y a plus de transition là, c'est encore pire. Dios mio. Non, voilà, il est pauvre, oh. Il est fou. Waouh. Bon, c'est quand le quad là? Ça coûte combien un quad? Ah, mais. Lexi, c'est maintenant le quad, apparemment. Non, j'irai pas. Non, mais j'irai pas. Ah, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'y vais pas. Et allez, pourquoi? Oh non. Bah, parce que, tu sais, je suis enceinte, tout ça, t'inquiète pas. Oh, tu te bagarres au katana et faire du quad, c'est oh! Oh! Vous s'amusez un peu, hein, petite? Alors, Lexi, tu veux t'isoler pour parler ou pas? Il n'y a rien à raconter. Non, t'es sûr, t'es quoi là? Par contre, moi j'ai des choses à dire. Je vais m'en aller, je te prête mon quad si tu veux, Jean. Non, non, ça va aller, t'inquiète, c'est bien gentil, Alex. Ok. Tu qu'on peut rien faire, non? Non. D'accord, ok. Et? Ok, bon, bah on va arrêter de le presser dans un coin comme ça. Là. Non, mais je vais bouger. Tranquille. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais peut-être pas dû faire. Il s'est passé qui encore? Non, en vrai, y a rien. J'étais pas. Elle était dans son coin bien avant. Mais elle était au-dessus au bout d'un moment. Donc c'est pas avec l'histoire de l'OLTD quand même. Non, je crois pas. Non. Putain, il est pressé par les coups pour venir ici. Mais je sais pas d'où.
Par contre, Alexia, elle a dit qu'elle s'occupait du restaurant et là, même pas 5 minutes après, elle ferme tout. Tu vois pas que. Tu vois pas qu'elle a ses hormones qui partent en live? Oui, d'accord, mais à cause de qui? J'en sais rien, moi. Et en plus, il y a encore Roscoe qui est en service, elle ferme le restaurant. Vous voulez qu'on commence de là ou de là-haut? Je sais pas, c'est pareil, non? Ouais, c'est pareil. Allez, si. C'est parti. Vous êtes prêts? Si. 3, 2, faites crisser les pneus comme ça. 3, 2, 1, feu! L'autre. Mais l'autre côté. Ah, vous voulez faire de l'autre côté et venir mais ici, c'est ça? Mais il comprend rien du tout. Bon, allez, hop. Ah ben on y va. Venez, on y va. Allez, c'est bon. Voilà. Patron. Je vous ai connu en meilleur état quand même. Ah, ça y est, tout raide encore. Ah ouais. Tout raide. C'est quoi, j'en ai marre. Tout le monde. Ils sont là. Eduardo par-ci, Eduardo par-là. Nanani 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 nanana. Moi, je garde ça dans ma poche. En cas d'urgence, tout pour le moment, c'est décidé, je prends mon ecstasy. Non, prends pas ça. Wouhou! Je sais même pas que ça se fout marre l'ecstasy. Ça se fume pas normalement, je fais quoi là? En train d'aspirer la poussière dans un joint là. Allez, et c'est pas trop, vous faites vraiment de la merde. Hein. Qui? Vous, bah y'en a qu'un patron. Ah bon, mais non, y'a tout le monde qui se fait appeler patron ici. Aïe. Et ben voilà. Là, on discute. Là, on discute. Alors, vous voulez discuter de quoi? Et on avale le reste. Oh là là. Il y a le mégot, c'est vraiment pas bon dans la bouche. Avant le quad, ça va être catastrophique. Il a mis son bandeau. Mais qu'est-ce que. Les gars! Rocky, Gustave! Aïe! Tu viens de voir un singe volant. C'est normal, je l'ai vu aussi. Il y a un singe qui va vers un quad. Oh putain, Mandré, non. En plus, je balade à mâchoire. Il me voit pas, ce quad, singe. Il m'a fou. Ah. Comme ça. Bah des rétro. Allez, pas trop arrêter. Ça va être complicado là. Je pense que c'est bon et bon pas vous. Ah. Ça va. C'est juste une côte. Il y en a encore quelques-unes, ça va aller. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait? On a réussi à semer les deux singes, patronne.
C'est beau, ils sont plus là. Oui. Gracias, heureusement que vous étiez là, portel de merde. Je vais appeler le zoo, je vais me plaindre, moi. Ouh. Oh, putain. Ouais, je vais dégueuler. Je vais dégueuler. Tu m'as mis un karma. J'étais en train de voler. Ça, c'est ce que t'as fumé, ça. Non, non, j'ai volé vraiment. J'étais dans le comme un parachute comme ça, avec les bras là, ouhou, comme ça là. Et puis après, j'avais le parachute sur le dos. Et puis j'étais là à côté du rocher. Mmh. Ça devait être fort ce que t'as fumé. Tu m'as pas vu atterrir là. Non, je t'ai pas vu, non. Mais il faut ouvrir les yeux, hein, au moins. Allez, c'est remonté, patron. Gustave. Oui, c'est bien là-bas, à gauche, Gustave, à droite ou pas, c'est... c'est de la provocation de la nature. De quoi? Viens voir. Je me suis, attention. Suis-moi, suis-moi. Et pourquoi je suis là, moi? Pardon? Pourquoi je suis là? Non. Ah, je suis tombé tout en bas. Pourquoi t'es tout en haut? J'ai pris de pousser ton code. Monte à vélo. Oh, je suis tombé avec ton code. Qui? T'es tombé? Je suis tombé avec ton quad. Ah, j'étais en haut. Bah, j'étais content de vous avoir connu. Hein. Peut-être qu'on se connaîtra plus. Attendez, attendez, je viens. Mais non, pas en même temps, pour ce moment. Si on doit, si on doit mourir, c'est bon, c'est bon. Allez, hop. Attends, je vais battre mon casque quand même. Vous êtes prêts? Attends. Okay. Attends. Mon code il est bientôt mort donc. Il se lui va pas lâcher, tout va bien. Prêt? Ok, okay. Vas-y. 3. Démarre un peu avant parce qu'on passera pas à 3 de front. 3, 2, 1, 0. Il vole encore. Quoi, il brûle? Pourquoi on peut arracher ton bas? Mon quad il a brûlé. Comment ça ton quad il a brûlé? Il a brûlé. Ah ouais. Ah si ouais. Non, ok. Comment ça, cher? Vous avez que de la gueule de sortir votre pistolet et de lui mettre quelques balles. Ah, c'est vrai. Allez, je vous fais pas. T'as dit quoi?
vous ferez pas, vous n'oserez pas sortir votre pistolet et tirer contre votre code. Là, sur mon véhicule, plus pris d'un pied, il est plus carré. Allez hop. Et voilà. Oh, en face, ça a l'air bien là. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est quoi ça? Psst. Ouais, ça me fait peur. Psst. Puta madre! Tain, il m'a fait stresser, mais. Oh, c'est bon, quoi, les chefs? Bien et tout. Wow. Ça va, ça va. Peur de ma vie encore, ça y est. Mais chaque... Pourquoi c'est un restaurant? C'est un screamer ambulante. Casse, cojones. En plus, ils sont là. Ouais, ça fait bip, ça fait nani, nana, moi j'écoute pas, j'ai. Mais les gars, ça fait bip, etc. Mais t'imagines, moi, combien de fois ça fait bip, 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 ouais, bip, bip. De fou. Moi j'en ai. Regarde, ça fait du verre bip là maintenant, à l'instant, j'en parle. J'en ai que 21. Oh, putain, madre. Je cherche Colt Gate Total. C'est la façon la plus. La... C'est la meilleure façon de demander pour un pistolet sur le bitage. C'est vraiment pas mal.